What the fuck? Qu'est-ce que vous faites dans le fond de mon camion? Aujourd'hui, on s'en va voir l'éclipse. Je vous amène avec moi. J'ai environ 2 heures de route à faire pour me rendre à l'éclipse parce que je m'en vais à Saint-Hyacinthe. Et là, je suis complètement coincé dans le trafic. Ça ne bouge pas pour prendre le traversier. On vient de me confirmer, le traversier est plein parce que c'est l'éclipse. Le traversier vient de se stationner. On va bientôt sortir. Ça me fait chier parce que le précédent, c'était lui que j'étais supposé prendre. Et on n'a pas passé. Plein de gens qui étaient derrière moi ont passé devant moi, ultra choquant. Et là, ben, à cause de ça, je vais arriver pratiquement juste à l'endroit où je peux observer l'éclipse. C'est tellement chiant. Puis à Montréal, c'est encore pire. Il paraît que tout est bouché. C'est catastrophique. Mais, yeah, c'est chiant. Bon ben, je viens d'arriver. Regardez qui est là. Coucou les loulous! Coucou les loulous! Le beau style. Fait que l'éclipse vient de commencer. Yeah. Hey, le pire, c'est que sa route, il y avait une drôle... Je savais qu'elle commençait. Je voyais pas le soleil, mais je savais qu'elle commençait parce que la luminosité est bizarre, sa route. Ah, moi, en ce moment, je le remarque même pas. Je sais pas, c'est indescriptible. OK, fait que on regarde avec les yeux directs de même. Yes! Tabarnak, déjà avec. Holy shit! Chris, c'est weird. Fou, hein? Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le soleil est autant couvert, mais il fait encore quand même très clair. Vraiment. Moi, je pense que la planète Terre, elle s'ajuste avec l'ISO. Ouais. Il y a plus d'ISO, fait que tu sais, ça devient plus sensible. Fait que dans pas, il y a du bruit ISO qui commence à t'attaquer puis à te tuer. Là. Ça pourrait faire un bon film. Des grains sauvages! Ah! Des grains sauvages! Tu vois du ISO sortir du bois puis tu t'attaques. Holy shit, c'est nice. Avoue que la lumière commence à être bizarre. C'est vraiment weird comme feeling. Ouais. C'est pas vraiment un coucher de soleil habituel. Non. Quand le soleil se couche, genre... C'est inexplicable. C'est chaleureux comme couleur, mais là, c'est comme juste fade. Ouais, c'est ça. On dirait... Si on faisait la blague avec du grain ISO tantôt, mais on dirait vraiment que tu regardes une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui a mal exposé sa vidéo. Oui. Genre qui a mal fait la colo. C'est weird en tabarnak. C'est spécial. Puis vous pouvez pas le vivre là, ici, là, à travers la caméra, mais... Wouah! Hey, c'est impressionnant, là. Il reste plus qu'à apprécier le spectacle. Hey, man! Il reste pas grand-chose! Amen. What? C'est tellement fucked up! Là, on voit vraiment que ça s'assombrit, là. Hey, puis quand tu regardes le soleil, tu vois rien encore. Oui! Oh, man! Oh, what? C'est weird! Oh, my gosh! C'est fou! Regarde autour de toi. C'est fucked up. Aïe, aïe. Ça y est. Ça reste plus gros. C'est vrai, non, mon Dieu. Il reste un petit peu. Je ne vois plus. Je ne le vois encore. Donc tu peux enlever. Oh my god! What the fuck? What? Hey! What? Holy shit, que c'est fucked up, man! C'est insane! C'est crazy, man! What the fuck? Oh my god! Quelle vie! Quelle opportunité! Pour le placement autour! Oui, oui, oui! On commence à voir, là! Pas mal en plein milieu, là! Fuck! C'est incroyable, man! C'est que c'est... Wow! Oh my gosh!
même. Ok, c'est... Wow, hein? C'est fou, hein? Une petite craque, puis genre, ça brille. Oui! Après ça... Oh, puis ça va plus vite! C'est fou, hein? Puis... C'était absolument incroyable. C'est l'événement d'une vie entière. J'ai hâte de le raconter à mes petits-enfants. C'est crazy parce que c'est tellement simple en même temps. Tu sais, puis... Ben, sans mots. Oui, c'est juste... Surnaturel. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment le fait que t'as un simple, minuscule, petit croissant. Oui. Il fait encore clair. Oui. Puis, mais comme t'as dit, il s'est mis à faire plus froid. Oui, là, il fait froid. La température a vraiment descendu drastiquement avant. Moins 4 degrés facile. Ah, oh, easy, easy, easy. Quand on est arrivé, il faisait méga chaud, puis là, genre, wouh! Ouais. Il en fait une frisquette. Ah! Oh, ah, oh, c'est crazy. Regardez le setup de broche à foin. J'ai mis une lunette devant la lentille pour pas brûler naturellement le capteur. Mais parce qu'un filtre ND, je suis pas un astronome, fait que j'ai pas de filtre solaire. Ça coûte quand même cher. Fait que j'ai juste mis ça. Mais au moins, vous avez pu apprécier le spectacle. Puis, le drone. On va le faire atterrir, justement. Jeez! Oh, c'est incroyable. Fait qu'effectivement, c'est confirmé, le drone n'a pas filmé les images que j'aurais voulu vous montrer. Ça fait fucking chier. Jamais, jamais j'ai manqué de place dans mon drone. Fallait que ce soit évidemment aujourd'hui que la carte est pleine. C'est toujours comme ça. Au moins, j'ai pu filmer avec mon appareil. Ça a super bien fonctionné. Fait que j'ai quand même pu apprécier en plus le spectacle. Je trouve ça très cool. Et là, on entend des sirènes. Ils l'ont dit à la radio. Oui. Il y a des gens qui vont aller à l'hôpital parce qu'ils vont être aveugles. Ça arrive, toujours, il y a toujours des accidents, il y a toujours des gens qui sont en voiture, puis ouais. Après ça, ils pognent des accidents, puis on entend vraiment... Oui, ça arrête plus. Ouais, fait que c'est chaotique. Come on, guys, ils vous ont averti partout, ils ont voulu faire peur, les gens étaient tannés d'entendre ça, comme « Arrêtez, c'est juste une éclipse! » Voilà. J'ai hâte d'entendre aux nouvelles, genre, d'ici un ou deux jours. 300 personnes ont été aveugles. Genre, entendre le feedback de tout ce qui est arrivé. Shit! Je te jure, c'est ouvert. On a décidé, pour pas revenir à la maison puis avoir tout le trafic des gens qui reviennent de l'éclipse, aller jouer au bowling. Et il y a juste personne. Je croyais que c'était fermé, mais c'est ouvert. Donc, j'espère qu'ils ont des grosses boules. J'ai jamais joué avec les grosses boules, toujours les petites. C'est tellement wrong quand on parle de ça. What the fuck? De retour à 17h. De retour à 17h. Un beau grain de cam. Fait qu'on s'en va manger à la baboche finalement. Pas ici, on risque de manger beaucoup mieux. Ouais. Fait que 4.4, un espèce de resto bistrot bière. On boit pas de bière. Toi, tu bois de la bière? Non. Non, on boit pas de bière. Fait que. Mais il paraît que la bouffe est incroyable. La baboche, bonsoir. Certifié terroir et saveur du Québec. Je savais même pas que ça existait. Frais, il est délicieux, on va bien manger. Oui. Qu'est-ce que c'est cher? Cha-ching! Nos assiettes sont arrivées. Regardez-moi cet incroyable burger. Et des linguini. Avec beaucoup de parmesan. Oh yeah! Ok. Doux. Ah ouais? Doux, c'est d'un meilleur burger que j'ai bouffé de ma vie. Ah ouais? À ce point-là, là, c'est tendre, juteux, délicieux. C'est fou raide, man. J'espère que ça va être pareil pour toi. La viande est exquise. C'est fou, hein? Mm. La sauce est sucrée. Côté champignon, ben, braisé justement. C'est débile. Bon, hein? C'est débile. Je vous jure, la tendreté de la viande, elle est crazy. Fait que c'est tellement bon la sauce que ben j'ai soif. Oh. Tu vis ta best life. Ah oh, ouais. Ça, c'est les meilleurs plans de caméra. Oh. Yeah.
Bon, il y a un peu plus de monde, tu vois là. Ouais. J'ai oublié de barrer mes portes. Hey, je me posais une question. Oui. Pendant que je roulais, je me disais, comment que les gens faisaient avant, pas de GPS? Une bonne question, j'ai pas envie de vivre cette époque-là. j'ai connu un peu, j'ai déjà fait de la livraison de bouffe, mais j'étais juste dans ma petite ville. Okay, ouais, t'as connais par cœur. Ouais. Mais genre, partir comme là, là, genre, hey, on s'en va à Saint-Hyacinthe, j'ai 1h30 de route à faire. Tous les virages, juste comme là, j'ai pris mon GPS, il y a une couple de route à faire. GPS, c'est jeune, là. Oui. Ça fait longtemps que le monde roule pas de GPS, yeah. Genre, tu prenais des maps, mais Chris, t'es pas clair, là. Imagine, seul. T'as pas de coéquipier, coéquipière à côté de toi pour dire, ah, oh, ouais, tu regardes, là, tu sais, ne textez pas au volant, lis pas ta carte au volant. C'est ça. Mais en tout cas, c'est fascinant. Belle petite place. Très cute. T'es-tu prêt à manger la poussière? J'ai envie de manger, oui. Oh, oh! Le pire, c'est que je suis tellement mauvais aux quilles. Ben, je suis pas mieux. Je pense que j'ai joué 3 fois dans ma vie. Ok, à ce point-là. Oh oui. Okay. Oui. Moi, je suis nul, mais j'ai joué plusieurs fois. Ok, non, moi, c'est genre une fight. Ok, ouais. J'ai toujours invité au bowling, une fight, là. Ouais. De genre juste jouer, c'est la première fois que je fais ça, de hey, on va-tu au bowling? Ok. Là, je veux dire, ouais, ouais. Tu sais, puis qu'on n'est pas 72. Comme là, on est juste toi pis moi. Ouais. On finit, c'est fini. Yep. J'ai hâte de faire ça, merci même. J'aurais aimé ça, des grosses boules, mais c'est des petites. Oh my god, no! Ça, c'est la chance du débutant. J'ai fait un abat, hostie. Quand je dis que je suis pas bon, c'est vrai. Hey, un beau dallo pour commencer. C'est beau, ça? La rouge, ça porte chance. Fait que résultat, 107 pour moi, 81 pour toi. Tout est dans le swing. Oh shit! Mais lui, il t'a soufflé. Pas pire! Non! Là, avec ça, tu vas être capable. Man, manque-toi pas, là. Manque pas ta shot, là, Chris. Là. Aligne-toi comme du monde, là. Avec... Il est là, le centre. Hey, si tu manques ton coup, mon assis jambon, là. Oh my gosh! Dude! Je suis maudit. C'est pas compliqué. Manque ton coup avec un assis dinosaure. Je vais vous montrer. Je vais faire un Tristan. Est-ce que je t'en ai de lui, man? Fait que 68 mois, 37 pour toi. Ouais. C'est ce qui clôt la soirée. Oui. Ça passe, c'est vite. Vraiment. J'ai chaud! Aussi. Chris qui fait chaud! Check mon fond, check mon fond! Ah, c'est reluisant, mon gars! Oh, man! Ah, belle journée! Man, ça du bien! Vraiment! Alors, c'est là-dessus que cette magnifique journée se termine? Sur un vrai coucher de soleil, cette fois-ci? Oui, cette fois-ci, oui! C'est vrai, Guillaume! Là-bas! Wow, en tout cas, derrière les buildings, là-bas! Merci, man! Merci de m'avoir toi. Accompagné! De pas avoir ça! C'était un grand plaisir! C'était nice, juste partir sur un coup de tête! Puis oui. J'espère que la vidéo vous a plu! C'était un peu des conneries, du n'importe quoi! Oui. On vous amène dans une journée... amical. Yeah. Amical? Je pensais que t'allais me crisser une baffe. Non. Excuse-moi. Bon retour. Moi aussi. Puis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu t'es aussi fait quand tu termines la vidéo? Adieu. Non. Je vous aime tout le monde. Bye tout le monde, je vous aime très fort, c'est ça? Ouais. Bye tout le monde, je vous aime très fort. Ciao. Non. Bye. Chris, écoutes-tu mes vidéos? Oui, non, câlisse, c'est pas important. Fais là, sur le coucher de soleil, là. Fais ce que je fais quand je termine une vidéo. Bye tout le monde, je vous aime très fort, bye. Non, bye bye. Ah oui. Bye tout le monde, je vous aime très fort, bye bye. C'est... C'est-tu moi le YouTuber? Non mais... Je vous aime très fort, guys. Bye bye. C'est ça le truc. Ok. Je vous aime tout fort, tout le monde.